Good morgen, allez, dans les sutres aujourd'hui, le Nishmat Mori Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman, Moshlomo Binyamin Ben Mazal, Amram Yona Ben Chana, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Beti Rivka, Rafael Zvulon Ben Chaya Malia, Myriam Bat Chassida et Dov Ben Yudit Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah Kodesh de la 5e Lutte Éternelle, nous, c'est une Masechet Choulin, Perek Vav, Mishnah Gimel, Cheren Shote Vekatan Sheshachatu, Vaacherim Ro'in Otan, Chayav Lechasot. בינן לבין עצמן, פטור מלחסות. וכן לעניין אותו ואת בנו. ששחטו ואחרים רואים אותן, אסור לשחוט אחריהן. בינן לבין עצמן, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהן, וחכמים עוזרים, ומודים שאם שחט, שאינו סופג את הארבעים. משנה פחית חסמפל. On commence tout de suite, on traduit. חרש שוטה וקטן, un sou, ou un fou, ou un enfant. ששחטו, ils ont fait une שחיטה. D'accord ? V'acherin ro'in otan. Et il y avait quelqu'un qui regardait par la fenêtre et qui a vu que le katan, il a parfaitement bien égorgé l'animal, il a fait l'abattage comme la halakha le requiert. Bien, il a aiguisé le couteau, clean, parfaitement, il n'a pas eu de. Il n'a pas patienté, il a bien fait la shrita comme il fallait. Eh bien, d'abord, premièrement, on avait appris dans le Perek Rishon, que dans le premier pérec, que l'animal il est permis à la consommation. D'accord ? Et de ce fait, chayav lechasot. Dans ce cas-là, lui, le katan, maintenant, il est parti et il a laissé le sang verser. Là, on parle que c'était du sang d'une chaya ou d'un off. Il y avait d'un animal sauvage ou d'une volaille. Donc, il y a une mitzvah de faire le kisui. Toi, tu viens, tu recouvres le sang. D'accord ? Par contre, si c'était Beinan Leven Atzman, on l'a pas vu égorger. On a vu qu'il est parti là-bas avec le poulet. Après, il est revenu avec un poulet décapité. Il a bien fait ou il a mal fait, on n'en sait rien. On passe à côté, on voit qu'il y a là-bas du sang versé, une petite flaque de sang. C'est mieux que le sang du poulet de lorsqu'il a égorgé, il n'y a pas de doute. Et alors maintenant, la question est de savoir est-ce que je dois recouvrir ce sang. Et la Mishnah m'enseigne pas tour, mais les chassot. Je suis dispensé de recouvrir le sang. Pour quelle raison? Pour le moment, c'est simple à dire, c'est facile, étant donné que le partenariat apporte que Rov Ma'asav Shalkatan Mekulkalin. Ils ne savent pas faire. En temps normal, par défaut, quoi, on va considérer que les Khereshote et Katan ont mal fait la Shrita. Donc, on avait appris dans le Mishnah précédente qu'on est Khayav de recouvrir le sang que lorsqu'on a fait la Shrita, une vraie Shrita, un rabattage permis par la Torah. Validé par la Torah. En l'occurrence, s'il lui a juste lui a tranché la tête, mais pas avec une shrita permise, on n'est pas tour de faire le kisui adam. En l'occurrence, le cheresh shoté vekatan, donc le sourd de naissance qui ne s'est pas développé, cheresh shoté, le fou, ou le katan, le petit enfant, que on va supposer que dans le doute, on va pour le moment poser comme. Comme un achat qu'il a mal fait la shrita, d'accord? Rov ma'asav mekulkalin. La majorité, la majeure partie de leurs actions sont mal faites. Et on continue. Vechen l'inyan oto ve'et beno. Il en va de même pour l'interdit de oto ve'et beno. C'est-à-dire, on a vu le cheresh shote ve'katan. Donc, on traduit tout de suite d'abord. Sheshachatou v'acherin ro'inotan. Qui ont abattu l'animal comme il fallait, ils ont fait la shrita, et il y avait quelqu'un, Vacherim Roinotan par la fenêtre, quelqu'un qui regardait par la fenêtre, qui a vu que le petit, il a très bien fait, ou bien le fou, il l'a très bien fait. Il a aiguisé le couteau comme il fallait, il a tranché comme il fallait, rien à reprocher. On a vérifié le couteau après aussi, comme ça, il n'y a pas de doute. Et tout s'est bien passé. Vous savez qu'après la shrita, il faut vérifier le couteau, pour voir que le couteau, il est resté bien lisse. Parce que si on va voir après, si après shrita, on remarque que le couteau, il est plus lisse, on va supposer que c'est possible, que ce soit au début de la shrita ou quand on a commencé à trancher les simanim, que là-bas il y a eu un problème qui s'est passé dans le couteau, et donc si on a un couteau qui n'est plus bien aiguisé, on transgresse la shrita n'est plus validée, d'accord? Donc en tout cas, là on a vu qu'il a très bien fait le chereshote avec katan, il y avait quelqu'un par la fenêtre, et il a égorgé par exemple le petit veau, et bien tu n'auras pas le droit d'égorger la mère, la vache, dans la même journée, parce qu'elle était égorgée dans la nuit, dans la même journée. Benan leven atzman. Donc, si par contre, il n'y avait personne à côté, ouais, on était là, je reprends, excusez-moi. Vechenéinan otovet beno, pour l'interdit de otovet beno, l'interdit de ne pas égorger dans la même journée une vache et son petit veau. Shechachatou vachrin rotan, qui ont fait la shrita,
les frères Hachrita avec Katan, le sourd, le fou et le petit. Et ils ont fait la Hachrita avec quelqu'un d'autre, les a vérifié. Vous voyez par la fenêtre que tout s'est bien passé. Assur les Hachrita Khareem. On n'a pas le droit de faire ensuite la Hachrita de la vache après ce petit veau. Par contre, Beno Levenatsman, si toutefois ils étaient tout seuls sans que personne ne puisse voir, on a juste vu qu'ils ont fait la Hachrita, mais on n'a pas vu de près comment ça s'est passé. Alors la Mishnah enseigne comme ça. Rabbi Meir m'attire les Hachrita Khareem. Rabbi Meir, lui, va permettre malgré tout de faire la Hachrita juste après de la vache. Tandis que Chachamim Osrin, tandis que Chachamim interdise. Très simple. On a parlé cette fois-ci donc que le Chachoté avec Katan, le fou ou le petit, et là il est parti donc il a égorgé, on n'a pas vu comment est-ce qu'il a fait la Shrita. S'il a fait convenablement la Shrita, alors il s'avère qu'il y a un interdit maintenant d'égorger la mère dans la même journée. Et s'il a mal fait, alors de nouveau, ça permettrait à la mère dans la même journée. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Rabbi Meir m'enseigne que c'est permis, tu auras le droit d'égorger la mère juste après, parce que de nouveau, même principe qu'il y avait dans la Reisha, le Rov Ma'asav Mekulkalin, la majeure partie de leurs actions sont mal faites, mal produites, donc, vous savez bien, dans la Torah, on se fonde sur la majorité, sur le Rov, et de ce fait, on va dire que la Shrita était mal faite, l'animal est interdit à la consommation, et de temps même, tu auras malgré tout l'avantage, le droit même de pouvoir égorger la mère ou bien son fils juste après. D'accord, c'est l'avis de Rabbi Meir. Va Chachamim Mosrin, tandis que Chachamim interdisant, en réalité le Bartanor, il explique que Chachamim Mosrin dans toute la Mishnah. C'est-à-dire, même par rapport à la première partie de la Mishnah, que lorsqu'on avait appris on avait pris le cas d'un poulet, ou le Chereshote avec Katan, le petit ou le fou ou le sourd, sont passés dans un coin, on a mal vu ce qu'ils ont fait, ils ont fait la Shrita apparemment, ils reviennent après avec un poulet, on avait dit dans le doute, t'as pas le droit de manger la viande. D'accord, c'est normal, la Shrita elle est mal faite, et pire que ça, alors on avait appris que dans le doute, t'auras pas besoin de recouvrir le sang, là Chachamim vient et en réalité ils sont cholkim sur ça. Parce que Chachamim, c'est vrai que c'est pas kasher, parce que c'est peut-être mal fait, mais c'est aussi peut-être bien fait. On ne soupçonne pas que le rove de leurs actions sont mal faites. Non, peut-être que finalement, c'est moitié-moitié. Il y a des fois oui, des fois non. Donc on ne peut pas trancher est-ce que oui ou est-ce que non. Dans le doute, tu ne manges pas, mais malgré tout, tu devras recouvrir le sang. Ou encore, si c'était une vache et un veau, eh ben, tu n'auras pas le droit de manger la vache dans la journée. Et c'est ce que la Mishnah continue en me disant, « La chachamim osrim et chachamim interdisent, ou modim chachamim shim shachat, shen osofeg et arbaim. » Chachamim reconnaissent malgré tout que si finalement, il avait donc égorgé le veau. Et on n'a pas vu comment il a fait la Shrita. Et puis après, moi, je vais égorger la vache. Donc on a dit, tu ne l'égorges pas a priori. Si, malgré tout, je l'ai égorgé, la Mishnah m'enseigne que « Enon Sofeg et à Arbaim » je ne vais pas encaisser les 39 coups parce que j'ai transgressé l'interdit de la Torah de Otto et Beno, étant donné que même Chachamim considère qu'il est aussi possible qu'il ait bien fait malgré tout la Shrita. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.